Sobondou, un secteur du district de Walla Walla, situé dans la sous-préfecture de Selouma. Dans cette localité, les ressortissants et résidents se donnent à fond pour le rayonnement de l'islam, pour la matérialisation de cette noble ambition. Un édifice religieux flambant neuf, avec toutes les commodités, vient de voir le jour à Sobondou. La réalisation de cette maison de Dieu, capable d'accueillir 300 fidèles, est l'œuvre de la contribution des ressortissants et résidents du village. Un acte qui traduit le climat de vivre ensemble et la cohésion qui règne entre les fils et filles de Sobondou. Ce qui nous motivait à faire cette mosquée, c'est ce que dit Adi, c'est en faire l'islam. Donc l'islam a dit, si quelqu'un a des moyens, tu dois faire quelque chose pour l'islam. C'est ce qui nous motivait à faire cette mosquée, pour inventer l'islam, pour faire grandir l'islam et surtout montrer à face du monde que les ressortissants de Sobondou, ils sont d'accord, ils peuvent donner la main pour faire quel que soit. L'inauguration de cette mosquée est prévue pour le vendredi prochain. Mais en attendant ces jours historiques, le président des ressortissants de Sobondou invite les sages, jeunes et femmes de la localité à utiliser ces bijoux religieux à bon escient. Ce n'est pas une seule personne qui a fait ça, c'est tous les ressortissants et tous les résidents d'ici. Donc, je prie les vieux, les sages, des femmes, des jeunesses, des Sobondou, d'occuper cette mosquée comme il faut. Parce que la mosquée, ce n'est pas seulement pour construire. Il faut avoir occupé, il faut avoir nettoyé et préparé l'eau. En dépit de l'engagement patriotique qui anime les esprits des filles et fils de Sobondou pour le maintien de la cohésion sociale et le développement communautaire, LH Ibrahima Barry interpelle chacun à préserver jalousement cet acquis citoyen pour le bien-être des habitants de la localité. Chaque personne qui a le moyen, même personnellement lui seul, s'il peut faire, il n'a qu'à penser à celui. Parce que c'est affaire islam. Le ressortissant de Sobondou a une vision pour aller de l'avant. Il faut rappeler que tous les ressortissants de Sobondou, résidents dans les différentes localités du pays et d'ailleurs, sont tous sollicités à prendre part à l'inauguration de cette grande mosquée ce vendredi 7 juin 2023.